Alors, je m'appelle Emmanuel Morin et je suis le directeur artistique et culturel de l'Abbaye royale de Fontevraud. Et j'ai été invité par le comité équestre et la maison Bouvelade-Dubé à être le commissaire du projet Archeval. Et aujourd'hui, 25 ans après, après toutes les aventures qu'il y a eu, le centre d'art Bouvelade-Dubé accueille une nouvelle édition qui est basée sur un travail de résidence. Et donc, on a accueilli trois artistes, trois jeunes femmes, avec des médiums différents, de la peinture, de la photo, du dessin, et qui vont s'emparer de la thématique cheval, et qui vont venir sur le territoire, qui vont venir en résidence, c'est-à-dire qu'ils vont vivre le territoire, ils vont dormir ici, ils vont rencontrer des gens, ils vont rencontrer en gros ces gens, ce sont les acteurs qui font la filière équestre sur le territoire, et ils vont nous proposer une aventure immersive. Le centre d'art est donc transformé le temps de Archeval en une expérience plastique autour du cheval avec trois univers différents. Le projet résidence, il a commencé par un travail de recherche iconographique qui est à la base de tout mon travail. J'ai une pratique picturale qui s'appuie beaucoup sur la photographie. Une attraction qui a été créée aux États-Unis, à Atlantic City, dans les années 40, où une cascadeuse sautait à cheval dans un tout petit bassin. C'était dans un parc d'attractions qui s'appelle Steel Pier. Donc, j'ai essayé de retrouver cette idée de séquence et d'utiliser l'espace pour reconstituer une sorte de petite scénographie autour des peintures. Le fait d'avoir travaillé avec toute une équipe, ça a permis de construire un projet vraiment complètement abouti avec cette restitution d'exposition, parce que c'est pas toujours le cas, on peut faire des résidences sans qu'il y ait de restitution d'expo. Et ce projet d'expo permettait de vraiment aboutir l'idée, pour moi, cette petite histoire, ce petit scénario, d'aller jusqu'au bout, de lui donner une forme et voilà. Alors l'installation s'appelle « Dévêtir un prince ». Donc l'idée c'était ici d'entrer dans un espace qui soit un espace immersif avec différentes œuvres qui font référence au cheval, à la fois pour son statut, puisque son statut noble, et le côté dévêtir, c'est plutôt pour le côté anatomique, qui est en fait quelque chose qui est une préoccupation dans mon travail et dans ma démarche artistique. En fait, dans ma démarche artistique, je travaille beaucoup sur tout ce qui est la relation du corps entre l'humain et l'animal. L'idée ici, c'était de faire référence encore à la notion de sacré et au côté noble du cheval, et en même temps de le faire côtoyer une vision interne. Donc l'idée aussi, c'est de faire référence aux vitraux, puisque dans ma démarche, dans mon travail artistique, je travaille aussi sur les vitraux. Et de faire se côtoyer, en fait, à la fois un côté noble et ornement, et à la fois le côté anatomique et vue interne d'un corps. Donc ça se retrouve dans les différentes pièces. Quand j'ai postulé pour Archeval, c'était vraiment pour côtoyer le cheval, aller à la rencontre du cheval et pouvoir travailler avec des vétérinaires, des soigneurs et découvrir leur univers et comment, quel rapport ils ont en fait avec l'animal. En fait, le cheval est venu, il est venu à moi, il est venu à l'humain avec sa prestance et après, qu'est-ce qui reste de lui, qu'est-ce qu'on en fait Il reste ça en fait, ce mélange entre la noblesse et la fin. Je suis photographe et je viens de l'univers documentaire. Donc je travaille toujours avec le réel. Et ce que je fais souvent, c'est que je vais m'approprier un territoire et en réaliser une forme de portrait au travers des personnes qui l'habitent, le fabriquent. Et je travaille beaucoup sur l'illusoire,
dans nos vies, sur tout ce qu'on se construit pour vivre peut-être des rêves, mais dans la réalité. Du coup, la résidence en cheval, on était sur un territoire donné et dans un univers donné. Le territoire sommerois et le monde équestre. C'était deux territoires en soi que je ne connaissais pas et j'ai pris autant l'espace géographique que le cheval en lui-même comme des territoires. Donc, du coup, dans l'exposition, on va démarrer plus par le cheval-territoire qui du coup devient et paysage et aussi matière. J'avais pas mal d'images peut-être fantasmées, il y en avait aussi d'autres que j'avais envie de fuir. Et du coup, il a fallu un peu jongler avec ça. Et assez vite, j'ai basculé un peu dans une forme de conte, parce que c'est toujours une belle façon de parler de la vie réelle que de la rendre imaginaire.